si vous travaillez, par exemple, sur Wikipédia et que vous avez, vous travaillez sur une thématique, un auteur haïtien, par exemple, et que vous avez un livre qui fait une biographie de cet auteur haïtien, si vous copiez-collez des passages de ce livre-là sur Wikipédia, votre travail va être supprimé et vous allez être bloqué parce que vous ne respectez pas le droit d'auteur, vous allez faire un plagiat. On va vous faire travailler en page brouillon de votre compte utilisatrice et utilisateur parce que dans l'espace brouillon, là, les patrouilleurs vont vous laisser tranquille. Par exemple, typiquement, le quartier dans lequel tu vis, tu connais bien les lieux, tu vas faire tes courses, tu voyages toujours dans ce quartier-là. Tu peux récupérer de l'information au passage et tu peux te améliorer chaque fois. Non, mon parce cher. Que, regarde, le nouvel est là. Mais quoi, oui, il y a il y a après un nouvel liste pour te donner un. Non, c'est pas. Attends. Attends, laisse-moi te dire. C'est un où on sortit. Regarde, là, on sort de la bibliothèque. On prolonge, ok? Oui. Tout droit. Arrive, en temps normal, nous devrions traverser la route pour aller vers le nouvel liste. Nous n'avons pas traversé donc la route. Donc, on a tourné avant le nouvel liste. On a vous allez trouver l'ensemble des articles. Alors, l'ensemble des gens peut être immense. En dernier lieu, on a fait une modification sur quelques prix qu'elle avait reçus, notamment le prix Prince Claude. Nous avons décidé de produire un article, c'est tout frais. On n'a pas modifié, c'est pas un article qu'on a modifié, c'est un article qu'on vient juste de produire. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mettre un premier brique et puis espérer que l'autre monde a posé l'autre brique jusqu'à ce que l'édifice la monte. Donc c'était ça travail là. Nous avons un lien, nous avons assez d'informations pour nous penser que y a un petit monde qui clique, en fait qui est beaucoup à l'aise dans la langue française, qui clique sur Calbois dans le créole haïtien, il y a bien un petit bagage en plus sur auteur haïtien. Ça. Merci. Actuellement, je fais une étude pour le Damanque. Et j'allais devoir attendre à ce que c'est la faculté qui devrait poster ça et soit sur le bureau. Mais là maintenant, je peux déjà aller commencer à mettre mon avancement sur Wikipédia. Et je continue à faire ça parce que comme ça, les institutions qui veulent faire une étude sur la pêche à Damari aura déjà une idée de ce que c'est parce que c'est sur ça que je travaille actuellement. Donc ce matin, j'ai apporté une autre contribution. Si je n'ai pas suffisamment de mots pour vous remercier le je me suis rendu compte qu'avec cette formation, vous nous aviez vraiment donné le pouvoir de prendre le contrôle de ce qu'on dit de chez nous et de décider voilà ce qui doit être présenté. Donc comme ça, je commence déjà à voir avec mes amis comment peut-on s'arranger, s'organiser pour prendre le contrôle de tout ce qu'on dit sur les villes d'Haïti et présenter exactement ce que nous croyons être la vérité et faire en sorte que ce soit nous qui présentons au monde extérieur ce qui doit être dit de nous. Donc, encore une fois, merci.